تكون من خلال الخبرات ديال البحوث الميدانية، ثم كذلك المرحلة ديال التعامل مع المصادر والمراجع طبعا الأجنبية. فواش كاين واحد الحد أدنى اللي خص البحوث ديال الدكتوراه يعني نحرصوا عليه كطلبة أنه يكون واحد العدد معين، أو يعني كيبقى الباب مفتوح؟ شو هي الأمور اللي خصنا نعتمدوها مثلا يعني كآليات بحثية يعني في إطار الاستفادة من هذا الجانب اللي هو يعني أجنبي؟ ثم كذلك كنوجدوا أحيانا بعض التقاطعات اللي هي معلومات اللي ناس آخرين اللي تحدثوا عليها، ولا أطاريح أخرى في دول أخرى أو قريبة على البحوث ديالنا، كيفاش حنايا يعني في طور البحث نكونوا صحيح أننا ماشيين في واحد شكرا المسار أستاذة، سليمة؟ أستاذة وشكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مرحبا. سنرحب إذا بالأستاذ ديال المحترم سي نور الدين صافي، انجينيور مهندس ودكتور، وتقريبا عنده أكثر من 30 سنة ديال التجربة في هذا الميدان وفي مجال البحث العلمي. إذا غادي نستافدوا من التجربة ديالو في هذا المجال هذا باش ننقلوا التجربة مرحبا، والخبرة. شكرا لكم أستاذ، شكرا شكرا جزيلا، لكم. شكرا شكرا جزيلا. غادي نضطر أنا لي ميكرو كله ما نسدهم باش نعطي الفرصة للأستاذ باش نقدمه خلال واحد 40 مينوت 40 دقيقة باش يقدم لنا هذا العرض ديالو، ومن بعد تعالى تعالى اون فا اوفرير لو ديبا اي لا ديسكسيون سور تو لي ديفرونت اسبي كيل فا ابوردي نوتر شير بروفيسور مسيو نور الدين الصافي. الوغ الاخ سي محمد سي نور الدين، يمكن لك تشعل الميكرو ديالك. السلام عليكم سي نور الدين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت عندك شوية ناقص. Ah bon? وي Là, je vous écoute très très bien. دابا عاد كتقاد ديالك. Yeah. سي بون ماتنون، مزيان. اذا D'accord. تنرحبوا ايضا بالناس كي نو سويف سور فيسبوك، مرحبا بكم. اذا غادي نتناول واحد الموضوع، كومون ريوسير ان بروجي دو فان ديتود ماستر اي دكتورا. دونك جو تو باس لا بارول نوتر شير بروفيسور مسيو نور الدين الصافي، ا توا لا بارول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكر الأستاذ سكو على هذه الاستضافة في موضوع كومون ريوسير ان بروجي دو فان ديتود ماستر اي دكتورا dans cette présentation. Je vais essayer bien sûr de vous montrer un petit peu les différentes... سي نور الدين، الله يخليك الصوت، إلا ممكن تقرب الميكرو مزيان. كتسمعني مزيان؟ هذا أحسن. بون داكو. Donc, comme je viens de le mentionner, tout d'abord, je remercie Cisco pour cet effort considérable qui nous a permis, bien sûr, d'être en contact direct avec nos étudiants dans les différentes, bien sûr, universités et facultés du Maroc. C'est une occasion très, très intéressante dans une période où on est en train de vivre une situation un petit peu particulière et au niveau de laquelle, bien sûr, combien on a besoin de la recherche scientifique. Et à ce niveau-là, j'aimerais bien partager avec vous quelques informations, quelques idées en ce qui concerne la réussite au niveau d'un projet de fin d'études, que ce soit un master ou un doctorat. J'ai bien sûr combiné les deux cycles, cycle master et doctorat, parce que le cycle master, c'est une porte d'entrée au doctorat. Donc réussir un doctorat, c'est tout d'abord passer par le master et avoir réussi le master d'une manière efficace et pertinente à travers les différents cursus de formation qu'on peut avoir dans les différentes disciplines, bien sûr. Donc, je m'excuse de le présenter en français parce que j'avais un peu une surcharge en ce qui concerne mes devoirs et mes préoccupations. J'espère que prochainement, on va faire la traduction en arabe. Et je dois avouer que c'est une occasion pour partager ces idées avec toutes les disciplines.
que ce soit les sciences littéraires, les sciences philosophiques, les sciences appliquées, la physique, la chimie, la médecine, l'histoire géo, la philosophie. Donc, toutes les disciplines peuvent trouver, bien sûr, un itinéraire efficace pour mener à bien, hein, son projet de fin d'études, que ce soit le master ou bien le doctorat. Donc, on vous dit que ce projet de fin d'études est rédigé à la fin du cycle des études supérieures pour évaluer la capacité à réfléchir sur une problématique bien définie, un sujet scientifique. L'étudiant doit démontrer à ce niveau-là sa maîtrise du sujet et ses connaissances, hein, pour réussir son projet de doctorat ultérieurement. Donc, avant, bien sûr, d'entamer le cours de cette présentation, j'aimerais bien partager avec vous le plan de travail. Donc, j'ai une petite introduction au niveau de laquelle je vais essayer, bien sûr, de montrer un petit peu les différentes phases au niveau du master et du doctorat pour qu'il y ait, bien sûr, une certaine concordance. Donc, il n'y a pas de différence, c'est une complémentarité. Donc, le master doit être complété par un cycle de doctorat. Et bien sûr, on ne peut y arriver qu'à travers, bien sûr, ce cycle de master pour entamer, bien sûr, les études de doctorat. Donc, nous avons en même temps des définitions qui vont nous permettre, bien sûr, d'avoir les idées clés, certains termes qui sont pratiques, techniques en ce qui concerne la méthodologie scientifique, les démarches de la recherche scientifique, les principales étapes de la recherche scientifique. Et on va finir par une conclusion qui va résumer en quelque sorte les étapes par lesquelles un étudiant doit bien sûr passer pour arriver à finaliser son rapport de master ou bien sa thèse de doctorat. Donc, au niveau de cette introduction, comme je viens de le signaler, un PFE est rédigé à la fin d'un cursus universitaire. Et de niveau bac plus 5, il s'apparente bien sûr à un mémoire de recherche. Un master doit se concentrer sur la contribution personnelle de l'étudiant en se basant sur les recherches antérieures qui sont bien sûr tout d'abord des études bibliographiques. Donc l'élaboration d'un plan de mémoire à ce niveau-là, il est très recommandé et considéré comme clé, hein, d'un mémoire de master ou de doctorat. Donc un mémoire ou un travail de fin d'études, s'il n'est pas bien sûr bien ficelé au niveau de son plan de travail, risque bien sûr d'avoir des perturbations au cours de son cycle de travail. Donc ainsi, à ce niveau, je dois avouer que le master, il est en grande partie, hein, réservé pour une étude bibliographique. On doit apprendre parce que l'étude bibliographique, il ne faut pas la sous-estimer. C'est une étape, j'aurais dû dire, primordiale, cruciale dans la réussite d'un mémoire de fin d'études. Donc, l'étude bibliographique, comme j'avais bien sûr j'ai encore l'habitude de voir avec mes collègues, avec mes étudiants, hein, que pas mal d'entre eux ignorent énormément de principes en ce qui concerne cette bibliographie. Et il faudrait bien sûr se consacrer le maximum possible au cours du cycle de master sur cette étude bibliographique avec tout bien sûr, l'effort qu'il faudrait pour l'achever d'une manière technique, scientifique et beaucoup plus adaptée, bien sûr, à un thème de recherche. Bien sûr, je sais bien que le cycle de master, au niveau duquel il y a un cursus de formation assez lourd et assez chargé, mais ça n'empêche, bien sûr, les 6 mois qui restent, ou bien les 8 mois ou 10 mois qui restent, il faudrait bien sûr les consacrer à une recherche assez approfondie pour éviter, bien sûr, les problèmes qu'on peut rencontrer chez pas mal d'étudiants au cycle doctorat. Donc, ça, c'est très, très important à prendre en considération. Et bien sûr, en arrivant à la thèse de doctorat, c'est le master plus 3 années au minimum. Hein, c'est beaucoup plus la recherche, c'est la partie, si vous voulez, empirique, c'est-à-dire qui nécessite l'expérimentation, qui nécessite bien sûr des enquêtes et qui nécessite bien sûr pas mal, dans pas mal de sujets de recherche, un laboratoire, études qualitatives, donc tout ce qui a aspect ou attrait à la qualité, bien sûr, d'un sujet bien défini, bien S'il te plaît, particulier. docteur, Oui. vous allez plus vite.
D'accord, je vais essayer bien Pouvez sûr de un me peu faire. ralentir un peu. D'accord, ok. Donc, وحاول تقرب الميكرو الله يخليك على الصوت قرب شوية الميكرو راح يكون أحسن. D'accord. Je suis en train de discuter les modalités, bien sûr, et le parcours doctoral, au niveau duquel, bien sûr, une bonne partie a été déjà réalisée, surtout la partie bibliographique et la partie théorique, hein, en master. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, on doit entrer directement à la recherche proprement dite. Et d'ailleurs, les étudiants qui changent un petit peu le profil de temps en temps, donc ils ont besoin, dans pas mal de cas, d'un stage d'apprentissage. Donc c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation pour, bien sûr, s'adapter au nouveau sujet qu'ils ont peut-être choisi indépendamment du cycle de master. Donc à ce niveau-là, c'est l'évaluation de la capacité d'analyse chez l'étudiant et l'esprit critique, donc qui a été déjà amorcé au niveau du cycle de master. À ce niveau-là, bien sûr, il est en mesure de formuler la problématique, et c'est ça le point de départ. Hein, formuler la problématique, c'est, si vous voulez, c'est l'entrée au sujet de recherche. Donc c'est la base de l'élaboration des questions de recherche, et c'est une des étapes les plus importantes d'une thèse de doctorat. Donc, définir la problématique avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de professionnalisme, quitte même de, bien sûr, de contacter des gens experts en la matière, des gens qui sont en contact direct avec cette thématique. Il faudrait bien sûr que la problématique du sujet en question doit être ficelée de manière à mieux déposer, bien sûr, un plan de travail efficace, pertinent, qui peut même parfois susciter l'intérêt, bien sûr, d'un directeur de recherche. Et à ce niveau-là, bien sûr, lorsqu'on se présente à une thèse de doctorat, on doit avoir, bien sûr, la capacité de développer un bon CV. Donc, un bon CV avec toutes les parties qui ont été étudiées en relation, bien sûr, avec le sujet entamé. Donc, une lettre de motivation, une excellente lettre de motivation pour convaincre en quelque sorte le directeur de recherche à vous parrainer et conduire avec vous cette recherche que pas mal d'entre nous savent très bien, surtout les gens qui sont passés par cette porte-là. Hein, ils savent très bien combien on a souffert pour arriver à clôturer une thèse de doctorat. Donc, un ensemble de définitions pour permettre à l'assistance, bien sûr, de me suivre attentivement et donner à chaque terme scientifique sa valeur qui lui revient. Tout d'abord, le rôle de la recherche. Donc, le rôle de la recherche, c'est de faire sortir les préjugés, donc dissiper en quelque sorte les présomptions qui peuvent avoir lieu dans pas mal de cas lorsqu'on est en train de voir un sujet un petit peu compliqué. Définir les origines de cette problématique, définir les causes, hein, qui ont suscité l'installation de cette problématique et les raisons pour lesquelles vous êtes attiré, hein, pour prendre en charge, si vous voulez, les difficultés et bien sûr la solution quant aux différents, bien sûr, problèmes posés par cette problématique. Ensuite, analyser les situations dans un contexte très général, en essayant bien sûr toujours de poser les fameuses questions. Hein, que se passe-t-il? Hein, qui est derrière ce phénomène? Où se passe ce phénomène? Comment il a été abordé? Comment il a été réalisé? Et quand est-ce qu'il a été, bien sûr, a eu lieu? Et pourquoi? Hein, donc, ces six fameuses questions sont très intéressantes à les prendre en considération pour, et bien sûr, trouver une réponse adéquate à ces différentes étapes. Donc, à ce niveau-là, j'aimerais bien mettre l'accent sur ce qu'est la recherche. C'est quoi la science, c'est quoi la théorie et c'est quoi, bien sûr, le concept. Donc la recherche, vous savez très bien que nous avons deux types de recherche, deux grands types, deux grands profils de recherche. Il y a la recherche scientifique et il y a la recherche commerciale. Donc là, je voudrais signaler qu'entre la recherche scientifique et la recherche commerciale, il y a si vous voulez, un pan assez important, un gap assez important qu'il faudrait bien sûr
découvrir. Au niveau de la recherche scientifique, nous avons la recherche scientifique fondamentale et nous avons la recherche scientifique appliquée. Et la grande différence qui existe entre ces deux profils, recherche scientifique et recherche commerciale, c'est tout d'abord la durée de déroulement ou bien la durée d'exécution hein, de ces deux types de recherche. Donc, la recherche scientifique se réalise en quelque sorte sur une durée assez importante à long terme et qui est considérée comme une recherche dans la plupart des cas, que ce soit fondamentale ou appliquée, une recherche qui répond à une problématique majeure. Par contre, la recherche commerciale, c'est une recherche de courte durée. Donc, il se manifeste au moment opportun pour résoudre un problème. Par exemple, le COVID-19 que nous vivons actuellement. Donc, on est en train, bien sûr, de chercher la solution, de chercher l'antidote qui peut, bien sûr, combattre cette maladie, cette pandémie hein, qui a bouleversé, bien sûr, le monde tout entier. Et nous sommes devant une recherche commerciale. On doit aboutir le plus tôt possible avant que ça soit trop tard. Donc, c'est un exemple frappant à ce niveau-là hein, pour différencier, pour comparer entre recherche scientifique et la recherche commerciale. La science, bien sûr, la science, on est tous des scientifiques du moment qu'on entame un sujet de recherche et c'est la base, bien sûr, de toute recherche, quelle que soit sa nature et quelle que soit sa forme. Donc, il y a la méthodologie. La méthodologie au niveau de la science est quelque chose de sacré. Donc, il faudrait bien sûr le prendre en considération et l'appliquer tel qu'il est afin qu'on puisse bien sûr trouver les solutions pour un problème donné, que ce soit dans la recherche scientifique ou commerciale. La théorie est la base. La théorie, c'est la clé. Donc, la théorie au niveau de laquelle pas mal de hypothèses, pas mal de concepts qui ont été conçus par des chercheurs anciens et qui datent depuis des années et des années, cette théorie elle est toujours appréciée et appréciable afin qu'on puisse bien sûr continuer le reste de la recherche pour qu'on ne puisse pas revenir sur des actes ou bien des faits qui sont déjà bien sûr abordés antérieurement et pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc l'objectif fondamental ici, c'est bien sûr la recherche scientifique lorsque bien sûr nous conjuguons en quelque sorte la recherche avec la science, avec la théorie, en se basant sur le concept. Donc le concept, c'est la réalité en quelque sorte matérielle hein, pour désigner un produit, un moyen de connaissance incontournable à toute recherche ou une présentation rationnelle. La méthodologie scientifique, ici je reviens au deuxième volet, qui est bien sûr très lié au précédent, cette méthodologie qui exige bien sûr des principes théoriques et opératoires qui se basent essentiellement sur l'observation. Donc l'observation, c'est la clé de tout type de recherche. Observer dans le domaine, bien sûr, de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de même de la philosophie, de la jurisprudence, dans l'acquisition, pour l'acquisition des connaissances. Et bien sûr, l'acquisition de connaissances suppose, bien sûr, une maîtrise. Hein, il suppose une maîtrise bien particulière et bien précise et concise au niveau, bien sûr, de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'on doit maîtriser ? Donc, on doit maîtriser les connaissances liées à la discipline en question. Donc, une personne qui ne maîtrise pas, bien sûr, les connaissances d'une discipline bien définie ne peut pas y aller plus loin ou bien aura énormément de problèmes. Donc, un physicien doit travailler dans le domaine de la physique. Un chimiste doit travailler dans le domaine de la chimie. Un biologiste doit travailler dans le domaine de la biologie. Un littéraire ou bien un historien ou bien quelqu'un qui fait la jurisprudence doit travailler dans ce domaine hein, pour, bien sûr, faire fonctionner et exploiter les notions de base qu'il a pu acquérir durant les longues années, bien sûr, d'études. Et c'est pour ça qu'on est en train ici de discuter un projet de fin d'études, c'est-à-dire qu'on a accumulé énormément de connaissances. Donc, il faudrait les exploiter, il faudrait bien sûr les extérioriser afin qu'on puisse bien sûr aller au-delà hein, et réussir bien sûr notre sujet de recherche.
Donc, bien sûr, à ce niveau-là, seuls les spécialistes en la matière peuvent faire fonctionner les théories explicatives. Donc, ces théories explicatives ne sont pas, bien sûr, à la portée de tout le monde. Et personne ne peut, bien sûr, être sûr de, en quelque sorte, être un peu plus très généraliste dans toutes les disciplines. Il faudrait que la personne en question, bien l'étudiant, hein, il doit s'occuper de, bien sûr, des connaissances qui sont attraites à la discipline dans laquelle il travaille, en essayant bien sûr d'utiliser plusieurs outils et instruments. Donc la maîtrise des outils et instruments s'impose à ce niveau-là. Donc la collecte et l'identification des données observables. Donc on doit bien sûr avoir la capacité d'utiliser un microscope. On doit avoir bien sûr les ABC d'utilisation d'un microscope pour entamer une recherche au niveau du laboratoire, un stéthoscope pour un médecin, je ne sais pas moi, un baromètre pour un agronome, un hygromètre pour les gens qui travaillent sur les problèmes, par exemple, de l'eau, et ainsi de suite. Et en même temps, bien sûr, il doit avoir un bagage assez important, hein, des connaissances en ce qui concerne les traitements et analyses des données qualitatives et quantitatives. Vous savez très bien que pour interpréter des résultats qui parfois apparaissent énormes, abondants, très importants, bien sûr, il faut avoir recours au traitement statistique. Donc, on doit être capable d'utiliser ou d'exploiter les tests de comparaison, les tests de comparaison de moyens, les tests de confiance, bien sûr, l'analyse de la variance à un seul critère ou à une seule dimension, l'analyse de la variance à deux dimensions, ou bien lorsqu'on, bien sûr, on entame des sujets qui sont multidimensionnels, il faut travailler sur la CP pour bien sûr, tout ce qui est caractère quantitatif, et à travailler sur la FC, hein, pour tout ce qui est qualitatif. Donc, ce sont des outils, hein, ce sont des outils qui sont propres à chacun de ces spécialistes, à chacun de ces, bien sûr, connaissances, et qu'il faudrait bien sûr maîtriser avec beaucoup plus d'attention pour arriver à des résultats qui sont concluants, que ce soit au niveau du master ou bien au niveau d'une thèse de doctorat. Là aussi, je dois parler un petit peu de la démarche scientifique. Donc, la démarche scientifique d'un travail de recherche, il est scindé en quelque sorte en quatre. Donc, c'est un petit peu la définition très générale de la démarche inductive, de la démarche déductive, de la démarche analytique. Donc, la démarche inductive à ce niveau-là est une démarche qui teste les relations, hein, pour formuler une hypothèse. Donc, c'est un raisonnement qui prend naissance à partir du tout ce qui est particulier, hein, au tout ce qui est général. Donc, il se peut que lorsqu'on traite, par exemple, des stress, d'une façon générale, les stress chez les plantes, les stress chez l'homme, les stress dans l'environnement, par exemple, au niveau d'une plante qui souffre d'un certain nombre de stress, on peut dire, bien sûr, est-ce qu'il s'agit de caractères qui sont abiotiques ou bien de caractères qui sont abiotiques? Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut formuler des hypothèses. Et si ces hypothèses, bien sûr, il faut les faire passer par de l'expérimentation. Il faut bien sûr les vérifier et il faut bien sûr les démontrer ultérieurement. Vice-versa, lorsqu'on est devant, par exemple, un stress chez l'homme, le stress, est-ce qu'il est intrinsèque? Est-ce qu'il a des origines externes? C'est en quelque sorte la problématique à définir et bien sûr les hypothèses à mettre en route en essayant bien sûr de les vérifier à travers bien sûr les enquêtes, à travers bien sûr l'expérimentation, hein, pour les confirmer ou bien pour les anéantir. La même chose au niveau de la démarche déductive, et c'est tout à fait l'inverse. On part bien sûr d'un raisonnement très général, hein, pour arriver à quelque chose de très particulier.
Donc, lorsqu'on parle de la pandémie que nous vivons actuellement, nous voyons bien sûr qu'il existe au départ, il existait bien sûr des recherches un peu partout, hein, en voyant que l'humanité a des problèmes, bien sûr, de fièvre, un problème d'asphyxie ou bien de poumons, etc., etc. Donc, pour arriver au facteur principal, essentiel, qui est derrière, bien sûr, ces différents problèmes de santé. Et dans ce cas-là, nous sommes devant une démarche déductive, hein, donc qui teste les hypothèses et donc, bien sûr, les explications. Également, au niveau de la démarche analytique, c'est un petit peu beaucoup plus compliqué. Donc, c'est, si vous voulez, en partant du complexe. Hein, donc, il y a énormément d'intervenants et on est presque, par exemple, les changements climatiques. Au niveau des changements climatiques, il y a la température qui fluctue, il y a, par exemple, les précipitations qui fluctuent aussi, il y a des chutes de rendement, il y a des maladies qui apparaissent. Donc, tout ça va, bien sûr, nous permettre, bien sûr, de focaliser un petit peu quelle est l'origine et en essayant bien sûr à travers les hypothèses qui ont été bien sûr mises en place au départ, être vérifiées par l'expérimentation, par les enquêtes, par un contrôle, par des tests, etc., etc. pour arriver à des choses plus simples, hein, pour détecter en quelque sorte l'origine de la problématique et trouver des solutions. Également au niveau de la démarche expérimentale, et dans ce cas-là, c'est l'expérience, c'est le laboratoire, c'est le terrain. Donc, ce sont des choses qui sont palpables et qu'on peut toucher directement. Ça se voit sur, par exemple, des maladies qui peuvent surgir de temps en temps sur les plantations et qu'on peut bien sûr détecter l'agent causal, que ce soit un champignon, une bactérie ou bien un insecte nuisible, etc., etc. Donc, voilà un petit peu les différentes démarches qu'il faudrait exploiter, qu'il faudrait connaître en fonction des différentes thématiques. Donc, à chacune de ces thématiques, il y a des particularités. Donc, on peut revenir là-dessus pour les gens qui s'intéressent à un sujet bien particulier pour en quelque sorte déchiffrer et donner, bien sûr, la bonne voie, hein, pour entamer la telle thématique. Donc, les méthodes de recherche scientifique, d'une façon générale, qui se base sur la démarche, bien sûr, scientifique. Nous avons en grande partie quatre méthodes de recherche. Il y a la recherche fondamentale, comme je l'ai expliqué au début de cette présentation. Il y a la recherche exploratoire, il y a la recherche empirique, et il y a la recherche appliquée. Donc là aussi, vous allez très bien distinguer entre les quatre types de recherche. Donc les trois premières, hein, ils sont de longue durée, hein, fondamental, exploratoire, empirique, ça demande bien sûr du temps. Et vous voyez très bien qu'une thèse ou bien un master, hein, ne peut bien sûr s'achever qu'au minimum sur 3 années. Donc, il y a parfois des doctorats qui prennent 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans. Hein. Je connais pas mal de personnes qui ont passé bien sûr un temps énorme, bien sûr, au niveau de cette... Par contre, au niveau de la recherche appliquée, hein, c'est trouver une solution à un problème immédiat et concret. Et donc, dans chacune de ces méthodes de recherche, hein, nous avons bien sûr une démarche à suivre. Donc, je ne dirais pas que c'est la seule démarche qui doit exister, mais on peut bien sûr, en fonction de la thématique et en fonction des étapes de cette thématique, hein, changer de temps en temps les démarches qu'il faudrait bien sûr développer pour arriver au but exempté et au but bien sûr tracé au départ par le directeur de recherche et l'étudiant qui est bien sûr le meneur ou bien le facteur principal dans la réalisation de ce sujet de recherche. Donc la recherche fondamentale, c'est ouvrir la voie à l'innovation. Donc on peut s'entendre à découvrir, hein, certaines lois, certaines hypothèses, certaines choses inconnues au départ. Ça peut être sanctionné par des attestations d'innovation ou bien des brevets d'innovation. Et ça, c'est très important, hein, pour nos étudiants à l'échelle nationale qui peuvent bien sûr prendre de l'ampleur à travers, bien sûr, les différentes universités afin qu'on puisse, bien sûr, encourager davantage la recherche fondamentale. La recherche exploratoire, elle est plus ou moins liée à la recherche appliquée, mais celle-ci demande aussi beaucoup de temps.
Donc, étudier un sujet sur un territoire, donc on s'est limité bien sûr dans le temps et dans l'espace, mais en se basant surtout sur la démarche inductive. Et nous avons dit que la démarche inductive prend naissance à partir bien sûr d'un fait qui est particulier vers bien sûr un fait qui est général. Et c'est ça bien sûr le point fort de ce type de recherche. Il y a aussi la recherche empirique, hein, c'est la démarche qui consiste bien sûr dans ces différentes étapes à la démonstration. Et dans ce cas-là, on peut se baser sur la démarche analytique, on peut, comme on peut bien sûr se baser sur la démarche, si vous voulez, expérimentale. Donc là, si vous voulez, les trois recherches, les trois types de recherches fondamentales, exploratoires et empiriques, hein, ils peuvent prendre beaucoup plus de temps par rapport à la recherche appliquée et qui est liée à un, si vous voulez, un problème urgent, hein, qui apparaît dans le temps et dans l'espace, et il fallait bien sûr qu'il fallait lui trouver des solutions immédiatement. Les principales étapes d'une recherche scientifique, donc c'est à partir de ce point-là, je vais montrer un petit peu les étapes, parce que tout ce qui a été maintenant expliqué, hein, c'est la terminologie scientifique, c'est la terminologie qui va nous permettre bien sûr d'être sûr de ce que nous sommes en train de faire. Donc je peux entamer une étape de recherche, mais moyennant quelle méthode, moyennant quelle démarche. Donc nous avons une combinaison de 4 fois 4, ça fait 16 combinaisons, hein, qu'il faudrait bien sûr chercher, en essayant bien sûr d'être beaucoup plus sûr, avoir une vision beaucoup plus claire sur la thématique entamée, et afin qu'on puisse bien sûr être beaucoup plus rapide et faciliter les tâches même à notre directeur de recherche. Donc je reviendrai sur ça, sur le choix du directeur de recherche, et ça c'est une étape très importante qu'on va bien sûr aborder à travers les principales étapes d'une recherche scientifique. Donc, ces étapes de recherche scientifique, la première étape, c'est de poser la grande question, la question de départ, hein, c'est définir la problématique. Donc, on est en train, bien sûr, de constituer la problématique. Parfois, l'étudiant, il trace la problématique. Souvent, je demande à mes étudiants de me formuler une demi-page, une page sur ce qu'ils veulent faire dans le mémoire de recherche. Et à travers, bien sûr, cette étape, hein, je conseille pas mal de gens, ils ne donnent pas d'importance. Ils font peut-être, ils ne donnent pas d'importance, ils sous-estiment en ce qui concerne, et ils peuvent parfois partir sans revenir parce qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont même pas. Donc là, c'est une grande erreur pour mes étudiants. Je m'adresse aux étudiants de ne pas, bien sûr, se résigner dès le départ. Il faut faire un effort, il faut constituer, il faut parler d'un sujet. Nous avons énormément de sujets. Tout ce que vous pouvez bien sûr voir dans la nature, ça pourrait être bien sûr un sujet de recherche. Et c'est à partir de ce point, parce que en ce moment-là, si nous ne sommes pas bien sûr très rattachés à une problématique bien définie, comment vous voudriez bien qu'un directeur de recherche vous mette sur les rails? Donc, il se peut que le directeur de recherche que vous avez choisi n'a aucune importance avec ce que vous êtes en train de faire ou bien ce que vous aimez faire dans la vie. Et il se peut qu'il vous impose quelque chose que vous ne connaissez pas. Et dans ce cas-là, c'est ça la catastrophe. Parce que ça va alourdir un petit peu le chemin et ça va bien sûr créer énormément de problèmes à travers bien sûr les contacts et bien sûr l'état d'avancement de votre sujet de recherche. Donc en respectant la clarté. Donc il faut être clair dès le départ. Voilà mon objectif. Voilà la problématique que je voudrais étudier. Est-ce qu'il est faisable? Donc bien sûr il faut y réfléchir. Est-ce qu'on peut bien sûr demander à un directeur de recherche de vous accompagner pour un sujet, hein, qui coûte des milliards et des milliards? Ça, c'est pas possible. Ou bien dont les conditions ne sont pas favorables. Ça, c'est pas possible. Il faut être réaliste dans le choix bien sûr de cette problématique ou bien de ce sujet de recherche. Donc, et la pertinence. Votre sujet de recherche doit être pertinent, il doit être original,
il doit faire apparaître vos compétences et explique bien sûr au directeur de recherche que vous êtes bien sûr c'est tout à fait normal, on est récidive au départ, mais on peut bien sûr développer et détailler en ayant bien sûr une vision claire. Donc, si la vision n'est pas claire dès le départ, ça ne peut pas y aller très vite et avec beaucoup plus de patience et beaucoup plus de persévérance. Définir le sujet de recherche, c'est ça ce que je suis en train de dire. Donc, un étudiant pose un grand point d'interrogation. Est-ce que le sujet que je vais entamer est un sujet qui m'appartient, que j'aime bien sûr travailler? Hein? Est-ce qu'il a des objectifs à moyen terme, à long terme? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce que les enquêtes ou bien les tests que je vais développer sont à la portée, bien sûr, de ma faculté, de mon institution, bien sûr, du directeur de recherche qui va m'accompagner? L'attrait scientifique et intellectuel, donc un sujet doit être choisi en fonction d'une certaine attraction scientifique et une certaine attraction intellectuelle. Donc, il faudrait que l'étudiant doit valoriser également ce projet de recherche sur le plan professionnel. Donc, est-ce qu'il a, il y a, il existe une relation entre la recherche et le développement? Et ça, c'est une question cruciale qu'il faudrait développer chez les étudiants. Donc, l'étudiant doit se poser la question, est-ce que vrai, c'est vrai, cette thématique que je suis en train de chercher pour la réaliser a bien sûr des jalons, a bien sûr des perspectives hein, sur le développement hein, de notre pays. Et ça, c'est, si vous voulez, l'objectif principal hein, qu'il faudrait chercher derrière la réalisation de ce sujet de recherche. Deuxième point, trouver un lieu de stage. Ça, c'est primordial. Trouver un lieu de stage, c'est pas du n'importe quoi. Donc, il faut prendre une décision qui est adéquate en fonction des différents critères. Le choix de l'entreprise, le choix du laboratoire, le choix de l'établissement. Est-ce que, effectivement, ce lieu de stage présente une relation entre la recherche et le développement ou bien c'est quelque chose de passagère, de contingent? La crédibilité du lieu de stage sur le plan professionnel. Est-ce que ces gens-là avec qui je vais travailler sont crédibles? Donc, à part bien sûr les facultés et bien sûr les grandes entreprises, parfois on se retrouve dans des petites boîtes hein, qui ne sont pas crédibles, malheureusement. Et il faudrait bien sûr faire très attention pour ne pas mettre le premier pas dans un chemin qui apparaît dès le départ très difficile à emprunter. L'ouverture sur le milieu socio-économique. Est-ce qu'on se sent ouvert sur le milieu socio-économique? Parce que ceci va vous permettre, bien sûr, de décrocher un emploi, un job par la suite. Donc, un sujet de recherche bien choisi va vous permettre de gagner hein, votre vie professionnelle. Ça, certainement, vous l'avez pu peut-être constater à travers pas mal d'expériences chez des étudiants qui ont commencé dans une boîte ou bien dans un laboratoire et ils ont fini par être recrutés par ce laboratoire ou bien par cette institution. Troisième point, et sur lequel bien sûr je dois insister, choisir son directeur de recherche. Ça, c'est une étape primordiale. Tenir compte de la capacité de votre encadrant. N'allez pas chez n'importe qui. Donc, il faudrait bien sûr, vous avez bien sûr passé 7 ans ou 8 ans au niveau de l'institution, au niveau bien sûr de l'établissement universitaire. Et vous allez bien sûr certainement rencontrer pas mal de directeurs, de professeurs hein, qui sont imminents et qui sont très doués en la matière. Vous pouvez bien sûr les côtoyer, vous pouvez bien sûr leur demander l'aide. Hein, on est là pour ça. Donc, un professeur, il est là pour servir les étudiants hein, et non pas pour faire d'autres choses. Donc, il doit redéfinir avec vous le sujet. Donc, une fois vous êtes bien sûr bien installé sur les rails, il va, dans ce cas-là, vous lui faciliter la tâche. Vous allez lui permettre, bien sûr, d'aller avec vous beaucoup plus loin et de vous montrer quelques aspects que vous ne connaissez pas. Donc, en ayant bien sûr l'intérêt, bien sûr, à donner beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. Donc, il va tailler avec vous la problématique.
sachant bien que vous l'avez déjà entamé. Hein. Donc un directeur de recherche hein, qui est bien sûr efficace dans votre travail de recherche, a une spécialité en accord avec votre sujet de recherche, hein, et il doit être bien sûr dévoué et disponible bien sûr pour cette tâche combien pénible. Hein, je dois dire et répéter combien pénible, et surtout lorsqu'on est avec des étudiants qui ne veulent pas aller au-delà et faire le travail sérieusement. Et ça, c'est vraiment malheureux. Deuxième étape, c'est l'exploration. Donc, vous êtes au cœur de la recherche scientifique. Et lorsqu'on est au cœur de la recherche scientifique, c'est l'observation qui va vous attirer, quelle que soit votre spécialité, quel que soit votre centre d'intérêt. L'observation est quelque chose de très important. Même lorsqu'on fait les sciences humaines, ça commence par l'observation. Comment les gens hein, se comportent devant de telles situations. Actuellement, nous sommes dans une situation un petit peu critique vis-à-vis, bien sûr, le COVID-19 et, bien sûr, le changement radical, bien sûr, des relations sociales commence à s'installer, s'implanter au sein de notre société. Là, ça mérite, bien sûr, des études et des études. Il n'y a pas uniquement le côté sanitaire ou bien le côté médecine ou bien le côté sécurité, il y a aussi le côté sciences humaines et relations sociales. Donc ça, c'est tout simplement pour vous expliquer hein, que l'observation, elle est, si vous voulez, en quelque sorte, horizontale. Elle est partout. Délimiter le champ d'observation. Procéder à la collecte d'informations. Et ça, c'est vraiment c'est un point très, très important. C'est la clé hein, de la réussite d'un sujet de recherche. Donc, faire la lecture, une fois nous avons observé et nous avons déterminé comme quoi il y a une problématique générale ou localisée, il faut faire de la recherche bibliographique sur le phénomène en question, hein, voir les rapports, qu'est-ce qu'ils disent, voir les résumés de plusieurs années, voir les articles hein, qui sont déjà publiés dans des revues internationales et crédibles, bien sûr, comparer les textes que vous avez lus et faire, bien sûr, une synthèse bibliographique qui va vous éclaircir beaucoup plus et davantage la voie dans cette recherche. Les contacts, entretien avec les intervenants, les experts, les intermédiaires. Donc, il faut élargir vos contacts. Donc, essayez bien sûr de contacter les gens éminents en la matière. Hein, donc, et nous avons bien sûr énormément de personnes qui sont spécialistes en la matière et qu'il faudrait bien sûr les contacter en fonction bien sûr du temps et en fonction bien sûr du besoin hein, pour mieux parfaire votre problématique. Donc, la problématique à ce niveau-là devient beaucoup plus facile. Donc, nous passer d'un cas qui est complexe et vague vers une situation qui est précise et explicite. Donc, et à partir de cette problématique, vous commencez à construire, à se formaliser, modéliser, à construire des hypothèses, des concepts, des théories, donc même des prédictions hein, qu'il faudrait bien sûr vérifier ultérieurement. Et vous passez bien sûr à la fin par l'analyse de l'information. Donc, préparer l'ensemble des données pour qu'elles soient traitées par un outil statistique, par un outil de traitement de données, hein, en essayant bien sûr de voir la relation à chaque fois entre la théorie et la pratique et comparer les résultats obtenus avec celles qui sont observées. Donc ça, c'est vraiment très, très important dans la succession des étapes et j'attire l'attention de mes étudiants hein, de bien prendre ces points à cœur afin qu'ils puissent bien sûr appliquer à la lettre et mot à mot afin qu'on puisse bien sûr réussir et les étudiants, et le directeur de recherche hein, qui vous accompagne dans votre sujet de recherche. Construire la monsieur, problématique. Monsieur Safi. Oui. Le temps, s'il te plaît, vous pouvez aller un peu vite. Oui, d'accord. Donc, la construction de la problématique, donc le choix, trouver bien sûr, une fois trouvé la problématique, il faut poser bien sûr les questions, élaborer, comme je viens de le dire, bien sûr les hypothèses, voir le détail avec le directeur de mémoire. Donc, cette problématique, il va vous démontrer que vous êtes bien sûr très approprié, vous vous êtes approprié le sujet, hein, reflète votre réflexion, votre compétence, et construire, si vous voulez, une réflexion qui se base sur la lecture, l'entretien, la recherche
et ainsi de suite. Donc, les étapes de la recherche documentaire, à ce niveau-là, bien sûr, à chaque fois, on est obligé de revenir sur la théorie, sur la pratique, voir un petit peu la relation entre les deux points et, bien sûr, essayer d'élaborer une méthodologie de recherche assez forte et assez consistante, à moyennant, bien sûr, des constats et des conclusions. Donc, la collecte des données, à ce niveau-là, bien sûr, il faut que la collecte de données empiriques soit bien organisée pour ne pas se perdre en fin de temps. Donc, c'est une période d'enquête et de collecte de données qui est parfois très longue, avec l'entretien, l'observation, la retranscription, l'analyse. Donc, lorsque vous faites une collection de données assez rapidement et... dans le temps, bien sûr, qui va vous permettre, bien sûr, d'analyser et les intégrer dans votre mémoire, que ce soit de master ou de doctorat, va vous faciliter la tâche à la fin, bien sûr, de l'accomplissement de la tâche du sujet de recherche. Ici, nous avons un algorithme qui nous explique tout ce que nous avons vu depuis le départ. Vous remarquez très bien que les étapes, elles sont très liées les unes aux autres, donc les observations, définir la problématique, collecter les données, formuler une hypothèse ou des prédictions, réaliser une expérience ou une enquête, ça dépend bien sûr du profil dans lequel vous êtes imprégné, faire les analyses des données et tirer des conclusions. Si les conclusions, elles sont conformes, bien sûr, aux hypothèses et aux prédictions, donc je dois répéter l'essai et faire la publication dans une revue internationale qui est cotée, qui est bien reconnue et crédible. Sinon, bien sûr, il faut refaire l'expérimentation et voir un petit peu est-ce qu'on a oublié quelque chose qu'il faudrait bien sûr rectifier à travers cette expérimentation pour arriver au but. Donc ici, le tableau devant vous, c'est récapitulatif. Nous avons le premier point, c'est la curiosité et l'observation. Deuxième point, définir la problématique. Troisième point, collecter les données. Quatrième point, formuler l'hypothèse. Cinquième point, faire les expériences, vérifier les hypothèses et les prédictions. Et sixième point, tirer des conclusions qui peuvent parfois être pertinentes, des conclusions pertinentes qu'il faudrait partager avec tout le monde à l'échelle internationale par le biais de publications dans les revues internationales et qui sont bien comptées surtout. Donc là, je ne dois pas oublier de vous mentionner quelques qualités personnelles de l'étudiant lui-même. Donc il doit être motivé, donc savoir bien sûr pourquoi il travaille sur tel sujet, il doit être relationnel, donc bien encadré par les amis, la famille, les chercheurs, les compétents, les spécialistes en la matière, avoir de la patience, donc il doit résister aux obstacles matériels et moraux. Donc, c'est sûr, c'est un chemin très long et qui est vraiment lassant et qui mérite, bien sûr, d'avoir un peu de patience et l'autonomie. Donc, vous devez avoir le courage de prendre des décisions et de faire de bons choix et ne jamais, jamais, jamais mélanger les difficultés de la recherche scientifique avec les problèmes de la famille ou bien les problèmes de la vie quotidienne. Donc, ce sont deux choses qu'il ne faudrait pas, bien sûr, mélanger, il ne faudra pas confondre. Donc, la rédaction du projet, c'est la dernière étape. Dans cette rédaction, je dois vous parler un petit peu de la taille du plan. Donc la taille pour un master, c'est au maximum 60 pages. Donc pour un doctorat, c'est plus ou moins 100 pages. Donc avant de commencer bien sûr la rédaction, il faut toujours se concerter avec votre directeur de recherche pour valider le plan. Donc le plan de mémoire, à chaque fois, il faut le revoir. Et ne laissez pas, bien sûr, parce qu'il y a des événements qui peuvent, bien sûr, se dérouler. Et il faudrait, bien sûr, corriger au fur et à mesure. Faire des titres qui sont très simples et clairs. Construire un plan, comme je viens de le dire, bien adapté à votre pratique de recherche. Et vous pouvez, bien sûr, utiliser la structure suivante à ce niveau-là. Donc, nous avons un sommaire avec des dédicaces, remerciements, résumés, abstracts, liste des abréviations, liste des tableaux, liste des figures, sommaire, introduction. Ça, c'est incontournable. Donc, un travail de recherche qui ne présente pas ces différents éléments, il est déficitaire ou bien il est déficient. Donc, Monsieur Sophie,
C'est bon, vous me donnez 2 minutes. Oui, ok. 2 minutes. Ok, Oui? deux minutes. Oui, merci. Donc, un résumé, bien sûr, qui doit être, si vous voulez, en principe, traduit en anglais, en arabe. C'est vraiment très, très, très souhaitable pour avoir un petit peu. Et d'ailleurs, il faudrait bien sûr toujours le faire en fonction de la version finale pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les différentes versions, que ce soit français, arabe ou anglais. Donc ici, je vous montre un petit peu le site par important, hein, de corriger votre mémoire de recherche avant de le remettre. Aucune université n'accepte un mémoire avec des défauts d'orthographe. Donc les règles typographiques et de mise en page, donc ici je donne un modèle, hein, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais un modèle qu'on peut adopter et qui peut réussir presque à 100%. Donc le test doit être en Times New Roman, la taille des caractères 12, interligne 1,5, et surtout justifié pour les marges. Vous avez marge de gauche 3 parce que vous avez la reliure pour que ça ne piétine pas sur le texte. Marge droite 2,5, le haut 2,5, le bas 2,5, etc. Donc le corps du texte, pas d'espace en début de phrase. C'est un manuscrit scientifique, il doit garder sa forme scientifique. Point et virgule juste après le dernier mot, puis espace d'un caractère après point et virgule, réviser les numéros des chapitres. Parfois, on se retrouve avec un document dont les chapitres ne reflètent pas la numérotation. Ajuster les paragraphes à droite et à gauche, le format majuscule des titres, de parties, chapitres, etc. sont suivis d'un point et non pas de deux points, sauf pour les abréviations avec deux points pour expliquer. Les titres des tableaux doivent être non soulignés, placés en haut, alignés à gauche. Les titres des figures non soulignées doivent être placés en bas et centrés. Les figures et schémas doivent être tous centrés. En plus du résumé en français et en anglais, ajouté à la fin du rapport de rapport à dans la page de garde, un résumé en arabe. C'est vraiment très souhaitable, avec votre photo souhaitable aussi. Mots-clés, au maximum 5 mots. Donc, ceci montre que vous maîtrisez très, très bien la qualité de votre travail et le contenu de votre travail, et classé par ordre alphabétique. Révisez le sommaire et de le faire adapter au corps du texte. Donc ici, je vous donne un exemple pour illustration. Donc vous remarquez très bien que le tableau il est aligné à gauche avec un numéro et un titre qui est très explicite et qui est très court. Parfois, on trouve des titres avec 2 lignes ou 3 lignes. Ça, c'est vraiment moche et ça diminue la qualité un petit peu du travail. Pour tout ce qui est schéma, pour tout ce qui est figure, photo, il faut bien sûr les installer au centre, bien sûr, de la page avec un titre ou deux au-dessous, hein, avec un titre aussi bien concis et précis. La même chose pour les histogrammes. Et en fin de compte, avant bien sûr de remettre votre rapport, il faut réviser à la dernière minute votre programme, votre plan de travail ou bien votre sommaire pour voir est-ce qu'il coïncide, est-ce qu'il correspond très très bien avec ce que vous avez dans le contenu de ce travail de recherche. Donc, j'allais insister beaucoup plus sur le résumé, introduction, conclusion, recommandation, et je vais mettre le point sur recommandation, un travail de recherche qui est, si vous voulez, sanctionné par des recommandations, des perspectives. Ça veut dire que l'étudiant a bien compris la thématique et il continue, bien sûr, à donner même des recommandations pour continuer le sujet et montrer sa pertinence, montrer sa fiabilité et qu'il peut bien sûr être l'objet d'un autre sujet de recherche ultérieurement. Et une page de garde comme ça, ça fait plaisir de la voir d'ailleurs. Un travail bien sûr qui est bien concis, bien réussi, hein, doit être bien sûr propre dans les deux sens, c'est-à-dire dans les pages de garde et à l'intérieur. Ceci reflète et donne une image excellente de la clarté et bien sûr la pertinence de votre sujet de recherche. Avec ça, je termine bien sûr les références bibliographiques doivent être notées, surtout les auteurs, avec bien sûr le nombre de pages et la revue de publication, classée soit par ordre numérique ou bien par ordre alphabétique, c'est la même chose, mais jamais, jamais mettre des sites web dans la référence bibliographique, parce que les sites web, ils peuvent bien sûr être contingents et vous perdez l'information. Et ainsi, je
je termine mon exposé. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà, monsieur. Merci, monsieur le professeur docteur monsieur Safi Nourdine, pour la clarté de ton exposé oral, aussi pour la belle présentation. Donc, vous avez abordé les différents aspects d'une recherche scientifique. Vous avez présenté un guide pour bien mener un travail de doctorat, un travail de mémoire de fin d'études, un travail de master. Merci infiniment, monsieur Nourdine. إذن شكرا للأستاذ نور الدين على هذا العرض القيم الذي تحدث فيه عن كيفية إعداد يعني بحث آخر السنة أو بحث الماستر أو بحث الدكتوراه. إذن غادي نفتح المجال للمناقشة. Donc je vais ouvrir le débat et la discussion. Alors vos questions, que ce soit orales ou bien écrites, sont les bienvenues. Merci, monsieur Nourdine, de désactiver le partage d'écran, monsieur Nourdine. OK. Alors, les brayards de Kalima, il me connaît de ma soeur Diallo, à Outalik Diallo, Bloral Arabia. Nam, Nash Lan, Nahnoufi Rorvati Zoom, Fi Rorvata, il est ce que le Moussahimoun, Fi Rorvat Mjumouat Menahij Bert. جالسين بيناتنا يمكن لكم الان تاخذوا ان بوتيت بوز تشربوا اتاي تشربوا العصير تشربوا الحلويات مرحبا بكم عندنا في هذه الغرفه اذا بدون اي قيد ولا اي شرط وبدون تعقيدات يعني تكلموا براحتكم اللي بغى يتكلم بالدارجه مرحبا به اللي بغى يتكلم باللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا العربية ولا الأمازيغية مرحبا بكم. Alors monsieur Safi s'il te plaît arrêtez de partager l'écran c'est bon maintenant très très bien. Alors يمكن لي نعطي الكلمة الآن اللي بغيت يتفضل غنبدا بالأوردر ان شاء الله تعالى عندي الأوردر هنا كيعطيها الزوم الله يخليكم essayez d'éteindre vos vidéos. لي فيديو لكم سميتو ترحبوا الاساتذه اللي معنا هنا مشكورين اللي كيواكبوا لنا في هاد كل في هاد كل الانشطه اللي كنديروا غنعطي الكلمه للاستاذه ابتسام الدحماني تفضل السلام عليكم السلام أولا في إطار هذا العرض القيم لابد وأننا نشكركم لأن الانتظارات ديالنا في البداية فالحمد لله رب العالمين راه بانت المعالم ديالها من خلال هذا العرض هذا كنشكر لك على الابتسام تقدمين نفسك ابتسام التحماني إدريسي أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي باحثة في سلك الدكتورة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جامعة محمد الأول بوجدة مرحبا لالا تفضلي شكرا من خلال هذا العرض هذا القيم فالانطلاق ديالنا من انتظارات فوجدناها في إطار يعني مجموعة من المحاور بقات المسألة المنهجية على المستوى يعني المراحل فهي يعني مهمة فاللي نطلب من الأستاذ الكريم هو على المستوى يعني البحوث اللي كتكون ميدانيه اشنو النصائح ديالكم لينا كطلبه في هذا المجال وشكرا شكرا الاستاذه ابتسام الدحماني نشوفوا الطريقه ديال هاد المناقشه استاذ صافي واش تبغي نجمعوا الاسئله حتى الاخر وبقى نديروا بمراحل وفقرات شنو رايك من الاحسن نجمع لي الاسئله باش نجاوب باش ما تعاودش ما تكررش الاسئله لان هذا السؤال الاول عليكم واسع النظر استاذ لا لا مزيان هكا مزيان راه السؤال الاول عرفتيه دابا ديال البحوث الميدانيه اي البحوث الميداني دونك او ميم طون انت كتسمع وانت كتسمع الاسئله سميتو الاخوات والاخوان راه عندك تما في المحادثه في لا كونفرساسيون راه كاين اسئله ديال الاخوان وديال الاخوات سي بون نعم الوغ نعطي الكلمه الان الاستاذ نبيل تفضل طبعا التعريف وبالايجاز تفضل سي نبيل
ما كاين شيء. يعطي الكلمة الآن لو سويفون مسيو أنس مخلص، تفضل. مسيو أنس تفضل، يبدو أنه عنده إشكال معين. الكلمة الآن سميته جمال أيت سعيد، أستاذ سي جمال تفضل. بونسوار. اسمعني دونك جو فغوميس تعريف عافاك، تعريف عافاك. وي جمال ايت سعيد، طالب موجز في كلية العلوم في أكادير، برونش ديال البيولوجي. نعرف مزيان، حاول تقرب الميكرو. ليسونسي ليسونسي للأسف سي جمال ما كان سمعوك شيء. سي جمال قطعتي الميكرو، سي جمال قطعتي الميكرو راسك. تفضل سي جمال، شعل الميكرو الله يرضى عليك. دونك بونسوار بونسوار بونسوار. جمال عيد سعيد، جمال عيد سعيد ليسونسي اون بيولوجي على لا فاكولتي دي سيونس اكادير. Donc je veux remercier Dr Sophie, cette présentation qui est vraiment claire, elle est vraiment excellente. Mais je suis en question s'il y a des sites de recherche, ou bien des... par exemple, si c'est des sites de recherche pour faire les références. OK. Merci. Merci, monsieur. Jamal de Agadir. Merci. Merci Jamal de Agadir. Maintenant, je passe la parole à notre cher professeur, M. Abdullah Sghiri, qui est professeur à l'université de Ibn Tufayl à Kénitra et qui était mon encadrant de thèse de doctorat d'État dans le domaine de l'électrochimie. Si Abdullah, Sadiq Diyanna ou le Habib Diyanna, t'fadl. On a le micro, Chahel. Voilà. اه سي عبد الله. السلام عليكم. سي بون. عليكم السلام ورحمه الله. اساتذتي المحترمين تبارك الله عليكم. العرض ديال الاستاذ المحترم كان عرض قيم، فيه العناصر الاساسيه اللي يمكن يعتمدها الواحد، وكيف اعتقادي كاين واحد الملاحظات اللي ضروري خصها تبان. من بين هذه الملاحظات هناك اختلاف في طريقة الريداكسيون، في طريقة التقييم، وفي طريقة البيبيوغرافي ما بين تخصصات داخل المجال العلمي، بحيث أن المنهجية اللي كتضبطها مثلا شعبة الكيمياء مختلفة على البيولوجيا ومختلفة على الاقتصاد، وبالتالي هنا كيخص ما يمكنش نهوموجينيزي، وضروري خص الطالب اللي غادي ياخذ هذه المنهجية خصو ضروري يرجع لي ميموار اللي دازو من قبل باش يحاول يكيف داك الشيء اللي خدا في العرض مع المعطيات، كيفاش ليكول دكتورال مسطره في الجامعه اللي كينتمي ليها ولا في المؤسسه اللي كينتمي ليها. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هو طبيعه الحال واحد التقرير ملخص في الاخر داروا الاستاذ المحترم، فيه ريزومي انتروداكسيون كونكليزيون بيرسبكتيف. اور بالنسبه للعلوم ضروري خصك دير لابارتي اكسبيريمونتال، شنو هي الاليات اللي خدمتي بها، شنو هي الطريقه والمنهجيه العلميه اللي اعتمدتيها وبنيتي عليها انت التحاليل ديالك، وثم النتائج. وهنا في النتائج انا في نظري في اعتقادي كاين جوج العناصر الاساسيه اللي ما كياخذوش الحق ديالهم كافي في الميموار من طرف الطلبه، لانترودكسيون اي لي ريزولتا. الو لانترودكسيون شنو هو الدور ديالها؟ لانترودكسيون كيخص الواحد يحط الموضوع ديالو في الاطار ديالو العلمي داخل المجتمع العلمي. ما يمكنلكش تجي وانت دير شي حاجه لراسك، ضروري قبل ما تاخذ المنهج الطريق ديالك خصك تكون عارف الناس شنو داروا في هذاك الموضوع. اذا خصك واحد البحث بيبليوغرافي معمق، وخصك كيخص شويه ديال لاباسيونس، خص الصبر، ولكن ضروري خصك تبحث. ما يمكنلكش تجي وغتبدا السلام عليكم تبدا وتقول هذا الشيء اللي خصك ضروري تعرف داك الموضوع اللي تخدم فيه، شكون اللي خدم فيه قبل منك، ولا لقيتي اللي خدم فيه خصك تناقش الافكار وتجمع الافكار، وكدير واحد الكتيب مع جنبك وكتبقى تكتب فيه مثلا فلان خدم على الموضوع
الفلاني في الظروف الفلانيه ها النتائج الاساسيه اللي وصلها، وكدير واحد بحال واحد ديكسيونير ديالك باش ملي كتبغي تريديجي كتلقى داك الشيء المعطيات العلميه ثابته عليها غادي تبني. هذا ماشي كلشي كيديروا، مع كامل الاسف هذه القضيه هذه راه فيها واحد نقطه ضعف قويه، لانه المستوى العلمي ديال لي ميموار كينقص بناء على انه البحث البيبليوغرافي ما كيكونش مستوفى الشروط الكافيه ديالو وما معمقش. هذه ملاحظه اخرى هي قضيه النتائج. الور النتائج منين يحط واحد النتائج ديالو هو اللي لقى، ما خصوش يعتمد بانه داكشي اللي لقى هو اللي كاين، خصو ضروري يقلب ويتاكد بانه راه خدموا الناس في داك الموضوع ولا ما خدموا شيء، ولا شنو هي المواضيع اللي تخدمات اللي شبيهه وقريبه، وكتقارن النتائج ديالك مع ديالها وتحاول تبين بانه فعلا داكشي اللي لقيتي راه عنده مصداقيه. الا بغيتو نعطيكم مثال مثلا ديال ملاحظه ديال المهم جوج ديال لي تيز اللي حضرت ليهم، وحده في مراكش وحده في مدينه اخرى. داكشي اللي داروا كاع في لاتيز كله غلط، لانه كيحسب لهم داكشي اللي لقاوه هما راه هو ديك الحقيقه، اور لاباري اللي خدموا بها لاباري كان فيها مشكل، وبالتالي لو كان البحث البيبليوغرافي معمق غادي يلقاو ناس خدموا على نفس الموضوع في نفس الظروف، ولكن النتائج اللي لقاو الناس الاخرين اللي سابقين واللي تبيبليات ماشي هي النتائج اللي لقاو الاخوان، وهذه كتخلق مشكل لانه كيمكن يتنشر داك الشيء ويتنشر خاطئ ويردوا عليك الناس، وكتنزل من المستوى العلمي والقيمه العلميه ديال البحث، وكتمس حتى بالمصداقيه ديال الاساتذه اللي معنيين بداك البحث. كاينه هذه القضيه هذه، وكاينه مساله اخرى وهي صدير خص الخلاصه خص تبان بانه يتركز فيها اولا لا كونكلوزيون تركز فيها على شنو هو الايجابي ولا شنو هو المساهمه الفعليه ديال هذا البحث هذا اللي سطرت عليه اللي كتبت عليه مثلا كطالب. خص العناصر الاساسيه تبان تخرج، وهي اللي غتبين لك واش هذاك البحث السوفة الشروط ديالو اولا مازال خصو يتعمق. هنا كتخرج البيرسبكتيف ديك الساعات، ولا بيبليوغرافي خصها تكون بيبليوغرافي مدققه، ومن الاحسن تكون ما دازاش عليها 10 سنين، من 10 سنين الفوق الا كانت قديمه بزاف راه ما راه ربما سنزفت، وبالتالي خص يبقى الاجتهاد الاخر هو اللي خص الواحد يبني عليه. وشكرا. شكرا دكتور ديالنا على هذا الافادات القيمه جدا، واكيد ان غتكون ايتيل بزاف للطلبه ديالنا خاصه ديال الدكتوره. نعطي الكلمه لواحد جوج الاخوان ولا اخوات، ومن بعد نعطي الكلمه للاستاذ. الوغ الاستاذه فدوى الشاقيره تفضلي، نتمنى يكون الصوت عندك خدام. تفضلي الاخت فدوى، دائما نفس المشكل مع الاخت فدوى. تفضلي فدوى الان مزيان، تفضلي عطفيتي الميكرو عاوتاني، عاود شعلي الميكرو فدوى تفضلي الان. السلام عليكم استاذي الكريم، كيف حالكم؟ السلام ورحمه الله وبركاته استاذ. انا كنشكر استاذ نور الدين صافي على هذا العرض القيم. استاذ في الحقيقه اغلبيه الطلبه الباحثون لا في الاجازه ولا في الماستر ولا في الدكتوراه يجدون صعوبه في كيفيه اختيار مواضيع البحث. كيفيه اختيار مواضيع يعني حتى وان كان هناك موضوع ما فيجدون مثلا اشكال في اختيار موضوع ما يعني يهتم بما يعني يبحثون فيه. أستاذي أستاذكو أريد أن أخبرك بأن فقط هذه فقط إشارة ليست سؤال. بالنسبة لإنجاز البحث كيفما كان، في الغالب ما نجد إشكاليات كيف أننا يعني نضيف أراضي لهذا الموضوع الذي نبحث فيه، يعني كيفية إيجاد أراضي للموضوع الذي يبحث فيه الطالب. وشكرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شكرا أستاذة فدوى. كلمة السي العماري محمد، تفضل السي العماري. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا حقيقة واخا الاسم الكامل عماري محمد، أستاذ متدرب بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بالقنيطرة، وطالب باحث سلك الماستر علوم البيئة بكلية العلوم بالقنيطرة.
دائما في يعني في علاقه مع لي ريفيرونس ومع لا بيبليوغرافي هو فين غالبا كنلقاو الاشكال ويعني في التاطير ولا يعني مواكبه ديال المجموعه ديال الطلبه في الاجازه. يعني دائما نجد اشكال في على مستوى ان المؤطر يشتكي من طريقه صياغه لي ريفيرونس. السؤال ديالي يا استاذ الا سمحتي هو انه كيف يمكن مثلا انني عندي واحد البحث معين مصادره محدوده جدا، اعتذر ربما على هذا المصطلح لان العلم شاسع، لكن مثلا هناك ندوه على يعني في كليه معينه او في مؤسسه معينه تهتم بنفس عنوان البحث، وذهبت لجمع معلومات معينه، كيف يمكن ان اضيف تلك المعلومه او هذيك الفقره كريفيرنس؟ هذا من جهه. من جهه ثانيه يعني هناك ايضا ندوات او محاضرات على يوتيوب او على الانترنت، الاستاذ اشار انه لا يمكن بتاتا ان نعتمد سيت ويب كريفيرنس في البحث ديالنا. اذا كيف نتعامل في هذه الحاله؟ وشكرا لكم جزيلا. شكرا. نعطي مداخله في هذه المرحله. رافق، سي رافق عصام تفضل. سي رافق عصام تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. Avant de commencer, je tiens de vous remercier pour cette précieuse conférence. Je m'appelle Rafiq Aissam, j'étudie en première année doctorat à l'Université Hassan II de Casablanca, faculté des sciences Bensik. Ma question est, est-ce que la rédaction d'une recherche scientifique utilise-t-il les mêmes instructions que la rédaction d'une thèse? Tu peux répéter, s'il te plaît, ta question? Est-ce que la rédaction d'une recherche scientifique utilise-t-il les mêmes instructions que la rédaction d'une thèse? Ok, ok. Merci, M. Rafiq Aissam. Et je donne la parole à notre cher professeur, M. Safi, pour répondre à vos questions. Shukran, Sisko. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, tout d'abord, je dois remercier tous les intervenants pour leurs questions pertinentes, vraiment, vraiment pertinentes. Ce sont des questions qui me poussent, bien sûr, à donner, à me donner une occasion pour vous expliquer davantage. D'ailleurs, j'ai brûlé un petit peu les étapes parce qu'il y avait question de temps. Et si c'est ce qu'on voudrait bien nous organiser une autre journée, présentation. Hein. Je suis disponible, bien sûr, pour le faire et avec beaucoup plus de plaisir. Ici, je voudrais vous répondre sur quelques questions, en commençant par Madame Dhmani. Donc, هذه البحوث الميدانيه لان بعض الاحيان كنعطيو انا عطيت يعني الخطوط العريضه جي با بيان سور فولي ديسكريميني لي ديفيرون ديسيبلين جي ايسيي بيان سور انا راعيت جي سي تري بيان كيل يا اون اسيستانس اسي ديفيرسيفيي او نيفو بيان سور دو سو كولوج دو سي فريمون دو سي سي دو سيت ايكول جو لا كونسيدير ان ايكول كلنا مساهمون سي اون ايكول فريمون تري تري انتريسون تري امبورطونت. Il est diversifié par les différentes disciplines, les différentes catégories de personnes intellectuelles. Et ceci, bien sûr, donnera beaucoup plus de force et beaucoup plus de poids à cette école. Madame Dhmani, vous parlez de l'Bouhout al-Meydaniya. Lorsqu'on parle de l'Bouhout al-Meydaniya, dans un domaine littéraire, l'Bouhout al-Meydaniya, huna, t'aqtasir فقط على يعني الخروج الميدان والبحث عن طريق يعني وسائل ديال سكون ابيل لي زونكيت لي زونكيت اون تو نوار سادير ان اسيون دو كومونسي بار لا كاتيجوري لا بلوس توشي بار لا بروبليماتيك كو فوز افي ديفلوبي او ديبار اي كو فوز ودريي بيان بريسيزي كليرسير ا ترافير بيان سور لي زونكيت اي اون انكيت بيان ريفليشي جو دي une enquête bien réfléchie qui doit peut-être prendre un mois ou deux mois ou même trois mois en essayant bien sûr de la tailler de la manière la plus concise pour tirer le maximum d'informations.
Donc, soyez ici très prudents, hein, parce que j'avais l'occasion de, dans pas mal de sujets de recherche avec lesquels on a travaillé par le biais de questionnaires entonnoirs, et au niveau duquel, bien sûr, les personnes enquêtées n'ont pas assez de temps pour vous répondre à toutes les questions s'ils sont dispersés. Donc, en essayant, bien sûr, de choisir hein, des questions très, très précises, très concises, afin qu'on puisse, bien sûr, tirer le maximum d'informations. Ça, c'est le premier point. Choisir, bien sûr, le lieu. Le lieu est très important. Donc, choisir les moments durant lesquels il faudrait, bien sûr, procéder à l'enquête. Donc, une enquête, c'est pas quelque chose de donné à n'importe qui. Une enquête, c'est pas quiconque peut la faire. Une enquête scientifique. Une enquête scientifique, c'est une enquête qui doit être menée par des gens qui sont, bien sûr, maîtres de la matière et qui sont spécialistes en la matière. Donc, comme ça, il peut gagner du temps et il peut tirer le maximum d'informations à travers, bien sûr, le temps qu'il est alloué pour faire cette enquête et, bien sûr, les personnes qu'il faudrait contacter, choisir le temps, le bon moment, hein, au niveau duquel on peut, bien sûr, je ne sais pas exactement de quel sujet vous parlez, afin que je puisse, bien sûr, vous donner beaucoup plus de détails. Quand est-ce qu'il faut bien sûr rejoindre la population d'un milieu bien défini, un territoire qui est délimité, peut-être dans un milieu accidenté, peut-être dans un milieu qui se trouve dans la montagne, peut-être dans un milieu où il y a un problème bien sûr de sécheresse ou bien un milieu où il y a manque de moyens de transport, etc. etc. Donc ceci mérite vraiment une discussion assez large. Et en essayant bien sûr de poser les différentes, si vous voulez, hypothèses qui peuvent avoir lieu afin qu'on puisse mener à bien et d'une manière beaucoup plus efficace les résultats de l'enquête, surtout lorsqu'on est intéressé par des sujets qui traitent soit les sciences humaines, soit des problématiques économiques ou socio-économiques. Et ceci, bien sûr, on peut revenir là-dessus. Vous avez mon numéro de téléphone, on peut bien sûr se contacter pour vous donner le maximum d'informations à ce niveau-là. Donc, Bnisba, Sisreri, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le matériel et méthodes, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cisco m'avait demandé bien sûr d'être un peu, d'accélérer un petit peu pour finir et respecter le temps alloué. Le matériel et méthodes, vous le trouvez au niveau de la cinquième étape, faire les expériences, vérifier les... Monsieur Safi, on a un problème de son. On ne t'écoute pas. Sortir sur le terrain pour faire un complément, bien sûr, de recherche et bien sûr veiller sur... D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous que ça diffère d'une discipline à une autre. Ça, personne ne peut bien sûr le nier. Donc, il faut bien sûr que ça soit dans un contexte qui est relative bien sûr à la discipline en question et qui doit bien sûr prendre en considération tous, si vous voulez, les problèmes qui peuvent avoir lieu, que ce soit l'acquisition de produits chimiques, l'acquisition du matériel. Je ne vous cache pas que dans pas mal de cas, on se trouve dans des situations très compliquées qui nous font perdre 2 mois, 3 mois, parfois une année pour avoir un produit chimique ou bien pour avoir un petit matériel qui a été biaisé par les étudiants, bien par l'ancienneté et qu'il faudrait bien sûr le chercher ailleurs. Il faut trouver bien sûr le financement. Il faut trouver... Donc ça, c'est vraiment un fardeau. Hein, au niveau bien sûr de l'université ou bien au niveau d'une faculté et surtout si le laboratoire n'est pas bien équipé et ne reçoit pas bien sûr de subventions pour l'approvisionner. Donc je peux dire que tout ce qui est matériel et méthodes, ça c'est vraiment primordial au niveau bien sûr d'une thèse. Et surtout lorsqu'on parle bien sûr que ce soit de la chimie, de la physique, donc les sciences appliquées, donc personne ne le nie. Et il faudrait avoir juste à côté une, si vous voulez, une serre vitrée
une serre au niveau de laquelle il faudrait bien sûr confirmer les hypothèses qui sont posées au départ. Il faudrait bien sûr que l'expérimentation, les résultats obtenus, si je prends un exemple tout petit, si par exemple je suis en train d'étudier les mécanismes de résistance à la stress, par exemple au stress de la HSRS, et nous sommes bien sûr dans... سي صافي ما كانش نسمعوك شيء كاين مشكل ديال الصوت سي صافي يبدو ان عندنا مشكل ديال الصوت مع الاستاذ سي سكو اييه كاين شي مشكل ديال الصوت maintenant je انا j'ai pas de problème لا لا ما كناش كنسمعوك الان اه وي وي سي بون است كو جو بو سميتو فوار لي سميتو لي كيسيون سميتو تشوفو لي كيسيون الاخرين اه ماشي مشكل ولكن واش سمعتني فاش جاوبت على الصغيري اي لا جو لا لا سمعنا غير دابا غير ميم با 10 سكوند Donc, je suis tout à fait d'accord avec mon cher collègue Sghiri en ce qui concerne, bien sûr, la méthodologie adoptée, qui diffère en fonction, bien sûr, des disciplines thématiques. Et dans ce cas-là, bien sûr, je fais référence à, bien sûr, à la grande problématique, bien sûr, des laboratoires qui sont parfois mal équipés ou bien qui vivent une certaine, un certain déficit au point de vue, bien sûr, matériel, produits chimiques, etc., etc. Donc, ceci, bien sûr, veut dire ou suppose qu'à côté, bien sûr, du laboratoire, il y a un petit champ d'application au niveau duquel on doit, bien sûr, approuver les prédictions et les hypothèses qui sont posées au départ hein, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature. Parce que les conditions du laboratoire ou bien les chambres de culture, hein, ce n'est plus, bien sûr, l'environnement dans lequel, naturel dans lequel, bien sûr, les plantes prennent croissance. Donc, voilà un petit peu quelques éléments de réponse à ce niveau-là. En ce qui concerne Foudoua Shakira, donc, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Là, il faudrait bien sûr que l'étudiant doit fournir un effort. Il doit déployer un effort. Il doit chercher et faire beaucoup plus d'efforts. On lui donne plus les cours préparés académiques. Et ou bien magistraux pour en ce moment, c'est un professeur. Safi, Safi, ma question est si Safi, monsieur Safi, ma question est qui répond assez Safi, je l'ordine qu'il y a un problème de son. Ma question est bien. Oui, oui. لا ما كنسمعوكش مزيان السي صافي سي صافي الله يخليكم اللي عنده شي الاخر شاعل الفيديو ديالو يسدوا الله يرضى عليكم الله يخليكم سدوا لي الميكرو ديالكم كاملين الاشاره انه الطلبه ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم تنرحبوا بهم الاغلبيه ديالهم من الجامعه ديال قنيطره ابن طفيل مرحبا بكم الاستاذ نور الدين يبدو انه عنده مشكل الصوت شربتوا شي اتاي كليتوا شي حلويات شي عصير مرحبا بكم بغينا الاستاذ يرجع الوغ رايت اما الاستاذ يرجع غادي نشوفوا نعطيو الكلمه للاستاذ انس مخلصي تفضل انس مسيو انس شويه عندك المشكل ديال الصوت كنت معك دابا مزيان
Donc, on va passer la parole, Smito. Alors, on va passer la parole, Smito, aux participants. Merhaba, je suis à l'écoute. D'accord. Monsieur Anas Mokhlis. Donc un problème. Monsieur Rafiq Aïssam, Soddal. Monsieur Youn Sissani, Soddal. Soddla Younes. Le micro Ramchel, Soddal. Younes Sissani. Mouchkila. Madame Fatine Mohamed Abid. شعل الميكرو من فضلك فاتين مسيو يوسف تفضل مسيو يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم صوت مسموع أستاذي وشوية قرب الميكرو الله يرضي عليك وعرف بنفسك معكم يوسف ساهر طالب باحث سنة أولى جامعة الحسن الأول سقط. تشكر الأستاذ على المحاضرة القيمة وعلى الإخوان الصاهرين على هذه المحاضرة. عندي ثلاث أسئلة لكن ممكن. تفضل. السؤال الأول أشنهما العناصر المكونة للإشكالية؟ يعني في الإشكالية واش تنبحلو كيستان بوشير أستاذ سؤال واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني. Est-ce qu'on peut associer à la fois dans une thèse la question de recherche, les questions spécifiques, l'objectif général, les objectifs spécifiques et les hypothèses de départ? Troisième okay. question, si... Est-ce qu'on peut associer à la fois dans une thèse la question de recherche, les questions spécifiques, l'objectif général et les objectifs spécifiques et les hypothèses de départ? Troisième question, quand on utilise l'approche mixte, qualitatif et quantitatif. Shukran. Shukran. Qualitatif. Shukran jazilan. L'akhra afak. L'approche mixte. Quand on utilise l'approche mixte. L'approche qualitative et quantitative. L'approche oui, ça y est. L'approche mixte. L'approche mixte. Alors, on va pas... Shukran jazilan. Brid Jago, c'est un sual pour sual, mais l'akhraniyin. Oui, d'accord. Pas de problème. بإيجاز بس أعطوا الفرصة للآخرين وخا بالنسبة للمخلص العناصر الأساسية للإشكالية أول حاجة هو اسمح لي جو بارل اون فرونسي دونك سي لوبسيرفاسيون كي دوا تتخ بيان سور فات او مومون اوبورتان فار ديدوير بيان سور دي كيستيون دي هيبوتيز Et bien sûr, poser les fameuses questions que, qui, où, quand, comment. Donc, comme ça, vous pouvez bien sûr mieux asseoir la problématique en question. Donc, ça veut dire l'anasar l'assassia, je pense. بالنسبة للمتدخل الثاني, سي ثاني, هو كيتكلم على l'approche qualitative et quantitative. Et là, oui, on peut bien sûr le faire en fonction de la qualité des données. Nous avons dans certains mémoires à joindre les données qui sont quantitatives et qui peuvent être bien sûr palpables, qui peuvent être bien sûr dénombrées et en même temps on peut avoir bien sûr des qualités des données qui sont qualitatives, c'est-à-dire que tout simplement c'est la forme, c'est la taille, c'est quelque chose de très de très général. Et chacune bien sûr de ces données ont une bien sûr une façon d'analyse. Donc, dans le cas de l'approche quantitative, vous utilisez la CP, c'est multidimensionnel. Et lorsque vous avez bien sûr, lorsque vous appliquez l'approche qualitative, c'est de préférence, vous utilisez l'AFC. Hein, c'est un modèle statistique qui va vous permettre bien sûr de transformer les données qualitatives en chiffres, bien sûr, pour permettre et faciliter l'analyse des données en question. Voilà. Merci. Je passe la parole. Alors, Monsieur Youssef. Ah, Abdallah, Youssef.
ما طرحت الأسئلة دابا أستاذ، ولكن مازال داكور، باردون الأسئلة الثلاثة اللي طرحت دابا. نعطي الكلمة الأستاذة نعيمة. نعيمة السلام عليكم. السلام plus fort s'il vous plaît, plus haut le son. روتي شويه، عافاك روتي شويه باش نسمعوك مزيان. السلام عليكم، كتسمعوني؟ وعليكم السلام. وي اسمي ديالي هاجر، دوزيام انا ماستر اكسيواري فينونس دي مارشي. السؤال ديالي هو ان كنت فاش هضرت مع لونكادرون ديالي كان قال لي البي اف او ديال مارشي كيكون مختلف على ليسونس، كيزاد فيه ضروري ديري فيه شي اضافه من ناحيتك، شي حاجه زدتي عليها فيه. شكرا شكرا الاستاذه نعيمه. مازال واش نعرف ان هاد الاضافه واش كتكون في لي زانتربريتاسيون ديال لي ريزولت او لا؟ اش من اضافه، اش من اضافه عافاك، جي با بيان سيزي لاكيسيون. الاضافه شي حاجه خصك تضيفها لديك الميموار، يعني تكون مختلف يميزك على الاخرين. بحال اش؟ هادشي اللي قال لي. لا اضافه دون كيل سونس، في الماتيريال ميثود، في لابروش، في دون كيل سونس. جوستومون تي هادي الشيء اللي عندي مشكل فيه انا. هادشي اش سوا واش غادي يكون في جهه لي زانتربريتاسيون لي ريزولتان ولا لي ميثود دابليكاسيون، ما عارفاش بالضبط. شكرا استاذه نعيمه، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق في المسار ديالك. نعطي الكلمة الآن الأستاذ باش يختم لينا، وغادي نعطيكم موعد الأسبوع المقبل باش نواصلوا المناقشة، لأنه هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تفاكر وإلى تبادل الخبرات والتجارب إن شاء الله تعالى. إلى بغى الأستاذ مع الأستاذ الصغيري وأنا ومع الأستاذ زهير إلى كان هنا ديال العلوم الإنسانية، ونواصلوا إن شاء الله الأسبوع المقبل. ما رأيك أستاذ نور الدين؟ مرحبا مرحبا، كل الاقتراحات كنرحبوا بها، و جو سوي ديسپونيبل بور سو جون بيان سور دو ديبا دو ديسكوسيون. شكرا. اذا نشكروا الأستاذ نور الدين، وغادي نضطروا لانه عندي انا دي كونديسيون خص هنا في دي كونديسيون تكنيك خصني نسد دابا، هذه 11:40 تعطلنا، سمحنا تعطلنا عليكم، وإن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل نواصل. اللي عنده شي سؤال الأستاذ ولا شي يطرح بعض الأشكاليات اللي عنده في البحث ديالو، غادي إلا ما كانش معنا في الجروب ديال تيليجرام، ها هو التليفون ديالي، صيفط ليا وصيفط ليه لوليا. مرحبا، ها هو التليفون ديالي عندكم الآن، غادي يبان دابا، وكلكم غتمشيو للجروب ديال مناهج البحث اللي فيه تقريبا الآن مجموعة ديال الباحثين مشكورين، أساتذة وطلبة. هو التليفون ديالي، الله يخليكم ما تكتبوا حتى دابا حتى حاجه باش الاخوان يبقى التليفون باين، باش يبقى التليفون باين باش تاخذوا ان شاء الله تعالى. ومرحبا بكم وتبارك الله عليكم. شكرا الاستاذ نور الدين الصافي على هذا العرض القيم وعلى هذه المداخله. شكرا لكم جميعا على حضوركم. هذا سكو قرطيط من منصه مناهج البحث، كلنا مساهمون، يحييكم ويحيي الحضور الكريم من داخل المغرب ومن خارج المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوري أشكر سيسكو، أشكر جميع الحاضرين اللي يعني بدوا جهد باش جاوا سمعوا المحاضرة واهتموا بها، وأنا في الخدمة، أي واحد بغى شي يعني شي تفسير له شي توضيح أنا مستعد باش نجاوبه باش نتعاون معه، وشكرا لكم. شكرا سي نور الدين. إذا الأسبوع المقبل في نفس الوقت 9:30 ليلا نواصل مناقشة هذا الموضوع، كيفية إعداد بحث علمي سواء ديال نهاية الدروس أو الماستر أو الدكتوراه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يخليكم، اللي بغالوا لي ان تيليجرام ها هو التليفون ديالي، وخليكم ما تكتبوا حتى شي حاجة، الله يرضي عليكم، خليوا التليفون باش يبان، حتى واحد دابا ما كتب حتى حاجة باش تبقى تبان لكم التليفون ديالي ها هو، وطلبوا لي ندخلكم في التليجرام، جروب تيليجرام ديال مناهج البحث، حتى واحد عافاكم ما يكتب. وصفيقة تحرى على الأستاذ، ها هي، كلكم صفقوا على الأستاذ. شكرا شكرا سيسكو، بارك الله فيك، الله يبارك فيك، بارك الله. السلام عليكم، الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع. شكرا 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 جزيلا.
تليفون خذوا تليفون حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته راه قلت لكم لو ليان ديال تيليغرام غتاخذوه طلبوه ليا في هاد النمره اللي بغى لو ليان ديال جروب تيليغرام ها هو في هاد النمره ها النمره ديالي كاينه 071 06 71 39 59 29 مسيو سكو فوالا بارك الله عليكم كنتوا حاضرين تبارك الله كثر سي نور الدين كثر من 200 مشارك اليوم بارك الله